allée la voir soit à Montfermeil, soit à Gonesse. Elle avait été opérée deux fois. Hein? Elle avait été opérée deux fois. De l'estomac. 1960. Oui, en octobre, qu'on s'est mariés. 1960. Et j'ai eu mes 20 ans le mois de décembre. Hein? Et on s'est rencontrés. Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes. Derrière une voiture en flamme. Un affichage que j'avais fait un an plus tôt et qui était toujours là. C'est le visage de mes amis. Et ce ne sont pas des monstres. Je voyais leurs yeux qui me regardaient à travers la télévision. Alors je les ai photographiés au bosselet. Avec un objectif où vous devez être à 25 cm de la personne. La question à quoi ça sert, je l'adore. Pourquoi? Parce que quand je colle à Paris, les gens me disent qui c'est qui paye, qui va nettoyer, combien de temps ça va rester. Quand je colle au Kenya, au Cambodge ou ailleurs, les gens, la première question qui vient tout le temps, c'est what is the purpose of the project? À quoi ça sert en gros? Une des femmes à la fin répond très bien à cette question. Elle dit les photos, ça ne va pas changer notre environnement. Mais si les gens me voient là, me demandent qui je suis, ce que je fais, and then I'm proud, elle dit. Donc là, je suis fier. Et quelque part, je trouve qu'elle résume très bien. Mon but, ce n'est pas de changer le monde avec ces projets-là, mais plutôt de changer le regard sur les choses. Et ça, c'est déjà changer les choses. C'est engageant parce que j'engage les gens là-dedans, mais je n'ai pas de message politique. Les gens en ont, et souvent quand les gens du projet sont interviewés, ont un message beaucoup plus radical que le mien. Mais moi, j'ai fait une œuvre artistique, je m'arrête à cette œuvre-là. Mais eux vont plus loin, eux dépassent l'œuvre, le cadre de l'œuvre, expliquent pourquoi, au fond d'eux-mêmes, ils ont participé à ce projet. Et souvent, les raisons sont diverses. Il y en a, c'est un pur besoin de revalorisation, d'autres, c'est pour faire passer un message, d'autres, c'est pour être connu. Je trouve ça intéressant, c'est comme un miroir de notre société. Soldier on my own, I don't know the way. Riding out the hurts.